la cabine speaker avant le retour du safety truck. Bloquer le pont de charge, fermer les portes, il devrait arriver et souffler, c'est parfait. C'est ce qu'il nous faut. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que cette musique existe depuis la création des Grands Prix en 82, c'est toujours la même. C'est une musique de chant. Ah oui, celle-là, oui. Il va falloir venir le courir pour durer 20 ans dans la chambre. Voilà. C'est pas ça, c'est la garde des étoiles. Mais c'est lui qui est depuis qu'il commence. Il était pas au début. Allez, on va surveiller la progression des concurrents sur la piste. On est maintenant du côté du virage de l'épingle, plus exactement d'Adélaïde. Alors là, pour l'instant, tout se passe bien, hein, puisqu'on est sous les ordres du safety truck. Vous voyez Lionel Montagne et Jérémy Robineau toujours côte à côte. Vous voyez ici, là, ça reste impressionnant quand même. Hein. Plus de 8 mètres de long, ces camions, on n'est pas loin. En gros, 20 000 chevaux sur les deux départs. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais au niveau gabarit, c'est quoi? C'est 3-4 mètres de large, un camion à peu près. 2,50. Ils ont des grands rétro, c'est pour ça. 2,50 de large, on va dire. 8 mètres de long. Ouais, 4 mètres de long, 5 mètres de long. À la flèche? Ouais. Allez, les concurrents qui sont maintenant du côté du 180 degrés et qui vont entamer la remontée vers le virage, en tout cas dans un premier temps vers la chicane d'Imola. Ah, on a retrouvé une caméra, non, toujours pas. Je ne vais pas essouffler, en plus vous m'aviez fermé la porte, c'est pas bien. Ah non, mais elle est condamnée maintenant. Voilà, la sortie du 180 degrés. Un peu compliqué la poursuite là. Ouais, mais ça va être un peu compliqué de regarder si on avait bien toutes les caméras. Ils sont motivés là, hein. Je vais parler avec les pilotes. Et ils arrivent au château d'eau là, dans quelques instants. Lionel Montagne avait la pression, hein. Lionel. Au virage de la grande courbe, la sortie pour l'instant, pas de problème, pas de visite de bac à gravier pour l'ensemble des concurrents. Et maintenant, on est en train de négocier la grande courbe d'Estoril qui va ramener les concurrents sur l'épingle d'Adélaïde. Alors là, si vous êtes dans les tribunes, ouvrez grand vos yeux car ça risque d'être assez impressionnant. 20 000 chevaux et sous le soleil. 5 tonnes, ça fait quoi? Ça fait 20, ça fait 100 tonnes, 100 tonnes de matériel au freinage. Bah voilà ce que ça peut donner, ou ça fume. Ça arrive. Toujours Lionel Montagne devant Jérémy. Derrière, il y en a un qui passe du jardin, là, un petit peu là. Richard Schoen devant. Je l'ai pas arrivé. On lui a pas dit qu'on voulait avancer, c'est quoi? Ok, c'est un peu. Il n'a pas compris. Non, on va pas se tromper de transfert britannique. Car ils sont passionnés de sport mécanique. Il est fort, il est 180 degrés, maintenant c'est toujours Lionel Montagne qui mène les débats devant Jérémy Robineau à la sortie du 180 degrés. On va attendre la sortie maintenant de la chicane d'Imola. Le voici, Lionel Montagne. Lionel Montagne, donc on est parti, je vous le rappelle, pour un total de 10 tours. Lionel Montagne, Jérémy Robineau, Noël Crouvier, qui va donc aller s'arrêter maintenant. On va aller s'avoir dans l'altitude du côté de la descente du château d'eau avec ce grand tirage et le tirage. Je suis le freinage du vitré. Attention, ça ne passe pas. C'est vrai que Jérémy, pour normalement un champion
pour faire des essais, pour se préparer, parce que la semaine prochaine, c'est le Nürbur, une grosse course qui compte énormément un championnat d'Europe. Donc pour lui, c'est. Puis également, parce que son partenaire, G3, qui est voilà, très présent sur la région. G3 qui arrête pétale à un championnat d'Europe et un groupe de France, sur chaque course. C'est eux, ouais. Et le soldat froid, non, c'est dans la façon de la porte, c'est plus un peu.